Dès ma sortie des études, j'ai pris une décision qui allait influencer le cours de ma vie à tout jamais. Ce jour-là, quelque chose me disait que je devais me lancer dans le vide, et ce, même si j'avais une peur énorme de me lancer. Ce jour-là, j'ai renoncé à la conformité pour partir à la poursuite de mon rêve que plusieurs croyaient impossible. Je savais déjà que j'allais faire face à une tonne de critiques, de moments difficiles et d'échecs, mais la volonté d'être maître de ma destinée était plus forte que mes peurs. Mon nom est Martin Latulippe, conférencier, auteur et coach. Ce que les gens ne voient pas, ce sont les salles vides en début de carrière, les critiques dévastatrices, les milliers d'heures de déplacement, la discipline à maintenir à tous les jours, mes premières vidéos qui n'étaient vues que par quelques personnes sur Internet. Et vous savez quoi? Je n'échangerai pas ces moments de doute, de remise en question et de sacrifice pour rien au monde. Je crois sincèrement que dans tout succès, peu importe le progrès que l'on fait vers la rencontre de nos rêves, la clé est de ne jamais oublier d'où on vient, de demeurer humble et de se rappeler que nos moments difficiles sont la fondation sur laquelle on peut bâtir nos plus grandes réalisations. Aujourd'hui, je parcours la planète pour partager ce message à un maximum de personnes. On n'a pas à devenir nos moments difficiles. Soit on les laisse devenir une finalité, ou soit on les transforme en possibilités. Cette décision ne revient qu'à une seule personne, nous-mêmes.